Wesh. Et salut à tous, c'est Paslo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MC. Et aujourd'hui, donc, je fais une nouvelle vidéo. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aller sur Hypixel pour avoir un peu de fun, vous voyez? Et oui, et donc aujourd'hui, ce sera une petite vidéo Bedwars. Vous allez voir comment je suis une grosse merde à ce jeu. Et donc, sans plus tarder, c'est parti! Et donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de Bedwars en solo. Oui, parce que je suis un petit peu une merde, quoi, vous voyez. Parce que moi, j'ai pas envie de faire du Bedwars en équipe, parce que voilà, quoi, j'ai un peu peur d'avoir des mates de merde. Par contre, mon skin est bugué, je sais pas pourquoi. Et comme vous aurez pu le voir, bah, il y a en ce moment beaucoup de monde sur le serveur, et c'est bugué, quoi. Vous savez quoi, j'ai coupé la vidéo là, et je relancerai quand je serai enfin sur le serveur. On se dit à tout de suite, hein, les petits fanboys. Ah voilà, c'est bon, je suis enfin connecté sur le serveur. Bon, vous, ça a duré 2 secondes, vu que c'était juste un cut. Oui, m'expliquez pas pourquoi j'ai une tête de poule. Mais je peux vous dire que c'était très bien long, quoi. Tellement long que j'ai pu regarder l'intro du What the Cut 37, quoi. Bon, sans plus tarder, on va commencer les Bedwars en solo. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pas me faire allumer. Et donc, nous revoilà dans la partie. On va voir comment ça va se passer. Bon, commençons d'abord par protéger notre lit, parce que c'est bien le plus important. Et voilà, comme ça sera bien protégé. Il y a déjà quelqu'un qui me rush là-haut. Ok. Wesh. Yo mec. T'es mort? Quoi? Ah, par contre, je lag un peu là. What the? Ok. Et c'est parti, on va aller niquer son bed. Oh bah il est tombé aussi, MDR. Allez, là je loupe des boîtes là! Let's go! Mon premier kill! Allez, c'est parti, le bed détruit! Au revoir! Première élimination de la journée, ça fait plaisir. Bon, par contre, je suis une grosse merde au bridge. Hein. Vous n'allez pas me voir faire du gold bridge. Oh putain, par contre, le son m'a éclaté les oreilles. Au revoir. Oh le bâtard. Sais pas s'il aura le temps de tout détruire là. Mais il m'énerve un troll là! Bon allez, let's go les gens, maintenant c'est parti pour faire du duo. J'espère que je vais pas tomber sur des mates de merde. Et les gens se retrouvent sur la game. Et donc on est encore jaune, c'est très... je me demande pourquoi je suis tout le temps jaune. Et mon mate est AFK, putain. Mais pourquoi j'ai que des mates de merde là? Mais regarde, il est AFK, il fait rien, il dort. Il dort, pourquoi? Tout ça parce que je suis jaune. Ben voilà. Il est là maintenant. Je protège mon petit lit. Ah, et je vois que ça nous rush déjà. Ça fait plaisir. Il y aura tout de suite de l'action. Dégage! Mais il est passé où, mon mate? Oh putain! Oh putain, il m'a dit. Bon, je suis mort, mais au moins j'aurais cassé leur lit. Juste pour vous dire, je viens de faire une game, a été catastrophique. Bon, je vous explique rapidement ce que c'est le mode de key block. En fait, c'est juste un mode classique, sauf qu'il y a des key blocks qui spawnent. Et avec ces key blocks, tu les poses, tu les casses, et t'as un truc random qui spawn. Ça peut être quelque chose de bien comme quelque chose de mauvais. Par exemple, quelque chose de mauvais, bah, un ghast qui te détruit tout, ou quelque chose de bien, un briquet, ou des petits objets, quoi. Regardez, par exemple, je vais casser ça. Il y a un petit truc random. Ah, ok, bah, la forge a augmenté. Ah oui, j'ai oublié que c'est explosé cette merde. Attends, nous rush là. Non! Bon, bah voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous aimez ce petit genre de vidéo Minecraft où je fais plein de trucs sur des grands serveurs, bah, vous pouvez quand même le dire dans le commentaire. Hein. Ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires. Surtout pour référencement. Si vous voulez soutenir cette chaîne, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette super chaîne YouTube, à partager la vidéo à vos amis et à tout le monde de famille, comme ça ils pourront découvrir la meilleure chaîne de YouTube.
Et du coup, on se dit pour des nouvelles vidéos. Allez, salut, à plus, c'était Paslo. Et au revoir pour de nouvelles vidéos.